Allons, enfants de la patrie. Aux armes, citoyens. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils ne passeront pas. Eh bien, salut les doudous et bienvenue sur le Wolfie Game Party pour ce deuxième petit gameplay sur le DLC de Battlefield 1. They shall not pass, ils ne passeront pas. Avec, eh bien, pour poursuivre, alors j'ai débloqué donc la fameuse Riberol 1918 usine. Regardez comme elle est belle, magnifique. Alors je sais pas si on a des visuels hein, à débloquer dans les battle packs pour ces nouvelles armes. Donc ça c'est une genre de mitraillette. Alors je vous lis le truc. Chambray pour des cartouches intermédiaires. Le Riberol à sélecteur de tir est considéré comme l'un des tout premiers fusils d'assaut. Voilà, donc c'est un fusil d'assaut. Voilà, je cherchais le nom. Fusil d'assaut en dégâts pas terrible. Par contre, qui a une bonne autonomie, hein, qui fait pas mal le job. Je vais vous montrer ça tout de suite. Une bonne petite précision, tir au jugé, ça va. Contrôle, bon, ça va. On a 25 balles dans le chargeur. Cadence de tir 550, c'est ça qui fait sa force. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bah, on avait la Jrograine, là, à inertie usine. Ça, je vous avais déjà montré dans la première vidéo. Donc, on va pas revenir dessus. Au niveau des médecins, j'ai avancé un peu, j'ai débloqué donc les deux RSC, donc la version optique, que voici, ouh, fusil à chargement automatique français expérimental déployé à la fin de la Première Guerre mondiale, eh ben oui. Donc là en dégâts, on est bien, Tintin, la précision, excellente, enfin une bonne arme quoi, je l'ai essayé un peu, franchement, pas mal. Donc je vais vous montrer aussi, hein. On est à 164 en cadence de tir, ce qui est bien, ça fait un bon rendement. Donc c'est du tir en une balle, hein, c'est pas de la rafale. Munition, on est à 6. Bon, j'aurais aimé être à 8 ou 10, ça aurait été mieux, mais ça va. La version usine. Donc même chose. Hein. Voilà. Elles sont jolies, hein, les armes hein, quand même. Elles sont jolies. Ensuite, sur le soutien, j'ai eu la première chocha. Alors, j'ai pas essayé encore. Hein. Je l'ai débloqué il y a pas longtemps. Donc, la chocha léger, fusil mitrailleur français à chargeur détachable et rechargement par recul particulier. Vous avez compris? Pas moi. Cadence de tir, on est à 360. 20 balles dans le chargeur. Niveau dégâts, ça va. Oh, c'est un peu l'équivalent de la barre. On est un petit peu plus stable. Et sur les snipers, j'ai rien pour l'instant. Donc là, au niveau des défis, bah, on va s'atteler à faire donc la chocha lunette. Réussir 15 éliminations au M1909. Bennett, Mercier, Lunette en une manche. Ça c'est chaud parce que j'ai pas l'habitude de cette arme. Les 10 éliminations mortier, je les ai faites en débloquant la première. Parce que je joue au mortier du coup. Hein, comme ça, je me suis dit, ça fera une pierre deux coups. Donc c'est bon, il nous reste plus que ça à faire. Et puis après, bah, on s'attellera hein, au sniper. Voilà mes doudous. Pour ce qui est de la chose. Donc on va se remettre... sur alors c'était je ne sais plus c'était la version lunette hein, du Bennett Mercier, ouais exactement. Oh bah j'ai les beaux petits visuels là dessus bon on va mettre la légendaire hein. Tant qu'à faire hein.
Voilà mes doudous, donc on est parti, on va essayer de se trouver une petite partie en ligne de front toujours, pour toujours vous montrer un petit peu ce nouveau mode de jeu, en espérant qu'on ne va pas retomber sur Soissons. Ça serait un peu dommage. Voilà, donc on est tombé sur Fort Devaux. Vous allez voir une map bien agréable, tout en tunnel. Magnifique. Bon, qui privilégie beaucoup le corps à corps hein, sur cette map. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment du soldat contre soldat. Hein, c'est tout en. Tout labyrinthique. Enfin, vous allez voir. Vous allez voir. Au niveau des médailles, bon, je suis resté sur la médaille de la salle. Donc j'ai réussi les trois premiers, donc 10 éliminations sur Hauteur de Verdun, 10 éliminations sur Fort Devaux, 10 éliminations sur Soissons. Et là il faut que je fasse 10 éliminations. Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Sur Rupture. Et bon évidemment, hein, vous avez vu qu'on n'est pas du tout tombé dans Rupture. Alors, on va s'activer le petit bonus d'XP, ça fait plaisir. Voilà. Et c'est parti! Donc 15 éliminations avec cette arme que je ne maîtrise pas du tout. On va voir ce que ça donne. Par contre, je voulais vous remercier pour tous les messages de soutien que vous m'avez octroyés sur la première vidéo de ce DLC. C'est vraiment sympa. Ouais, je gère pas du tout. Bon, on va essayer de faire quelque chose quand même. Ouais, parce que là... Ah, je l'ai jamais utilisé cette arme. Mais bon, on va y arriver. Hein. On n'est pas plus bête qu'un autre. Hein. J'en ai même, j'ai vu des messages passer des gens qui me disent vas-y continue, j'aime bien ton style. Ça c'est le genre de messages qui font plaisir, oui. J'aime bien ton style. Oh la vache. Oh je l'ai touché mais... Ouais vous voyez ici c'est beaucoup, hein, bon vous allez me dire l'arme n'est pas forcément adaptée parce que je vous le dis là c'est beaucoup de frontal. Enfin, on va essayer de faire le job. Ouais. Allez, tout ça. Tiens, on a des munitions. Oh là là là. Bah attendez, je vais baisser ma sensibilité parce que là, ça bouge trop. Excusez-moi, j'ai pas fait le réglage avant. On va essayer de baisser ça dans les options jouabilité. C'est pas là du tout. Commande. Voilà, joystick soldat. On va se mettre à 26. Ouais, voilà. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Allez, les doudous, on est reparti. Donc ligne de front hein, pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, donc c'est un mode de jeu qui nous fait avancer sur différents points des drapeaux. Quoi, je t'ai vu. Voilà, ça va mieux. Hein. J'ai baissé la sensibilité, ça va beaucoup mieux les deux. Eh merde. Voilà. Bon, les 15 kills, ça va être chaud. Bon, j'en ai déjà un. Ça, c'est sûr. Ça fait fur hein. Peu. Allez. Allez, j'atterris sur toi mon copain. Oh merde, il est pas mort. Ah, je croyais qu'il l'avait eu. Ouais, faut que j'arrête de faire confiance aux alliés machin, parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Quand je crois qu'un mec, un de mes alliés va tuer le mec en face, machin, puis en fait pas du tout. Mais bon. Vous voyez là, j'étais persuadé qu'il allait le fumer. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que je me mette un peu plus en retrait et que je campe un peu plus? Parce qu'au niveau, ouais, niveau du zoom, ça a l'air de tirer loin quand même. Par contre, notre chef d'escouade, il aurait pu mettre un petit... Il va monter là ou non? J'ai un petit coup. Ouais, vous voyez, donc la map, hein, c'est vraiment que des couloirs, des choses comme ça. Ah, punaise. Ah,
Ah, vous voyez, j'ai du mal, hein, les doudous. Alors, ce qu'on va faire en attendant, c'est que je vais vous montrer les autres, les nouvelles armes que j'ai débloquées. Comme ça, hein. À la rigueur. À la rigueur, ça peut être sympatoche. Donc, la ribérole, le machin, là. Ça, je vous montre ça. Donc là, on est sur la classe assaut. Défendez les objectifs. La ribérole. Oh, à la mire. Les coordonnées ennemies ont été transmises. Bon, j'ai essayé un peu, hein, pas de ouf, mais bon, ça va. Voyez. Voyez, ça va, ça marche bien. Wolfie, t'es ridicule. Oui, c'est vrai. Les coordonnées ennemies ont été transmises à notre artillerie. Bon, en même temps, je connais pas bien la map, hein. J'ai dû y aller deux fois dessus. Et la première fois, elle m'avait surprise parce que c'est vrai qu'elle est énorme. Tout se ressemble. Et les mecs peuvent arriver n'importe où, quoi. C'est vraiment une map ouverte à mort, quoi. Ouais, enfin je les ai finis à la grenade, mais c'est pas ça que je voulais faire. Les coordonnées ennemies ont été trouvées. On se refait une paire de kills, hein, avec la ribérole, et puis je vous montrerai celle du médecin après. Inquiétez pas, inquiétez pas. What? Ça pétouille. Oui, gagné. Ah putain, trop. Ah, j'aurais dû le marquer, j'ai été con. Je l'aurais marqué, j'aurais vu tout de suite où il était, je l'aurais fumé. Bon, si, on va rester sur eux. Asmeumeleux. Ah bah toi, t'as le feu au cul, mon pote. Ah la vache. Oh là là, vous voyez, putain, j'ai pas le temps. Ah, je vous dis, les mecs ils peuvent être de n'importe où, quoi. C'est vraiment. Y a pas... Bon, après, quand c'est dans le couloir, le machin, bon, ça va un peu mieux, comme vous avez vu au début. On sait à peu près d'où ils arrivent, machin, mais là, là vous voyez la taille du truc, quoi. Mais bon, c'est kiffant, hein. Moi j'aime bien. Mais bon, sur cette map là, voilà, vous pourrez pas. Enfin, à moins que vous soyez des cadors, hein, mais sinon, c'est chaud de faire 50 kills. Hein. Oh, je croyais que c'était un mec, ça. Oh là là là. Ouais, c'est plus une arme de vous voyez, de moyenne portée, hein. À longue portée, c'est pas terrible. J'essaie de vous refaire un petit kill sympa quand même. Quand même. Pour mes petits abonnés chéris. Mais non, qu'est-ce que... N'importe quoi, moi. J'ai envie de contourner par là. Capturer l'objectif Anatole. Par contre, le chef des squads, il donne pas d'ordre, c'est chiant, on perd des points pour rien. Voilà. Vous voyez, celui-là, il était joli quand même. Oh, l'autre, il était juste à côté de moi, sa mère. Vas-y, médecin. C'est un Gilbert Montagné ou pas? Ah ouais, puis là, c'est un Gilbert Montagné, mais abruti en plus. Bon. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Allez, t'es belle. Allez, t'es belle, Wolfie, allez, t'es belle. Lance une grenade. Attention. Ah merde, ah merde. Eh merde. Ah, j'étais sûr que j'allais... J'allais trépasser. J'ai trépassé. Oui, j'ai du vocabulaire. Bon. C'est chaud les doudous, hein. T'as vu? Mais bon, kiffant quand même, hein. Vous voyez, ça, c'est pas du DLC de Pimpin la Lune. Hein. Ils assurent, hein, chez Dice, hein, quand même. Mmh.
c'est pas les DLC tout pourris de Call of. Oh, hein, qu'est-ce que j'ai dit? Faut pas dire ça, Wolfie. Oui, mais c'est vrai quand même. Oui, bon, c'est vrai. Allez, on se refait un kill avec Sop, et après on va changer. De toute façon, je vais mourir dans d'atroces souffrances dans pas longtemps. Voilà. Allez. On va changer, on va se prendre... Bon, la scrograine, machin, je vous avais déjà montré. On va essayer l'arme du médecin, là. Donc, le modèle usine. Vous allez voir ça, les doudous. Ah merde! Oh la vache, putain, j'ai pas eu le temps. Je l'ai vu, hein, je m'étais dit, je vais m'allonger, machin, mais. Il m'a anticipé, le mec. Bon, là, Lewis, ça le fait mal, hein, c'est sûr. Ça, la Lewis. Ça fait mal aux dents. Et pas que. Je vais demander des ordres à lui parce que. Quels sont nos ordres, sergent? What? Je l'ai vu lui. Putain, mais il crève, bordel! Voilà. T'as vu? J'ai une mitrailleuse en visuel. Il y en a un autre, hein. C'est une mitrailleuse ennemie. Oh merde, il est passé derrière. On va rester là, on est pas mal. Ça va couvrir. Putain, j'arrive pas à les marquer, bordel. Montre-moi ta tête, toi. Ah oh. Oh, le gaz hein, ça dans ce jeu là c'est vraiment bon, c'est efficace hein, mais ah j'ai un copain qui est mort là-haut, c'est de le réanimer. T'es blessé. Voilà. Je vais t'aider. Je vais mettre une trousse de soins pour ma gueule. Où ils sont? Ah ok, ils sont. J'attends, hein, j'essaye de voir. Attention, mitrailleuse. Mitrailleuse ennemie en vue. Oh, ça c'est fait. Oui, oui, c'est bon. Ça y est, c'est bon, tu me dis. Oui, oui, c'est bon, t'inquiète. Soyez vigilants, soldats à l'assaut. Mais arrête de bouger. Wow. Oui, elle fait le job, hein, la petite. La petite. Présence d'un soldat d'assaut. Je sais plus comment elle s'appelle. RS machin là. Vous voyez, un médecin. J'aimerais bien l'avoir lui. Très bien. Oh. Vous avez vu, j'ai juste le temps de dire mitraille. Donc voilà, on va essayer l'autre. Pour vous montrer donc la version optique que j'aime moins parce que bon c'est de l'optique, je n'ai pas trop l'habitude. Vous voyez, donc on a un petit viseur à point. Because I love you. Hop 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 hop, Wolfie reste pas dans les pattes de l'ennemi, les pattes de l'ennemi, les pattes de l'ennemi. Tu veux que je te soigne? Et voilà, j'ai tiré à côté. Parce que moi je fais comme ça, moi je leur tire à côté. Comme ça ils ont peur et puis ils s'en vont. Eh hey, mais Wolfie, te fera mieux de les tuer, abruti. C'est vrai. C'est trop fou. Pardon. Moi je t'ai pas vu. Putain. Ah la vache. Je prends plein ma gueule les doudous.
Mais je vais essayer de vous montrer une paire de kills avec ça quand même. Quand même, sinon ça sert à quoi? Nous avons pris l'objectif Bert. Regardez là-bas, un éclaireur. Merde. J'ai eu assez de balles. Voilà. C'était calculé, hein. C'est exactement ce que je voulais faire. Capturer l'objectif célestin. Par contre, cette arme-là, faut penser à recharger assez fréquemment parce que, vous voyez, on se retrouve vite. Ah merde, c'est hors map. Ok, je voulais essayer de contourner, mais. Vous voyez là, ce que je vous disais, quand on est dans les. Dans les espèces de tunnels là, de contreforts, on sait à peu près où ils arrivent quoi, donc ça va mieux. Parce que sinon, en plein. Hop! Putain! Meurs toi! Merci ça. Monsieur, vous avez vu, il a dit bien tirer. Ah merde! Puis ils me suivent les mecs! Et bah il va où le Wolfie? On va le suivre. Ah bah non le con. C'est un cul de sac. Regagner la zone de combat. Oui d'accord madame. D'accord madame. Bon après hein, c'est comme je vous disais hein, c'est faut connaître la map et tout hein, ça va mieux. Hein. Moi là celle-là je la maîtrise pas encore de ouf. Bien joué ça. Regardez, un éclaireur. Merde, merde, merde. Because I am here. Nous nous faisons repousser. Il est mort, lui. Ah merde, c'est pas moi qui l'ai. Oh, le vol plané qu'il a fait, lui. Ouais. Oh, elle est belle. Elle est belle. Tintin, elle est belle. Ah, vous voyez, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Hein. Donc, un 4 nouvelles maps hein, sur ce DLC. Je sais plus si je vous l'avais dit sur la vidéo la première. Donc, on a Soissons, Rupture, Fort de Vaux et je sais plus. Soissons, Rupture, Fort de Vaux et une autre. Je sais plus le nom. Bon, je vous dirai ça tout à l'heure. On va retrouver. Allez, on est en train de prendre B sympathiquement. Oui, je l'ai vu. Il y en avait un là. Ah ouais, recharger parce que. Oh, on a gagné un petit niveau de classe. C'est sympatoche. Merde. Oh, encore un cul de sac. Puis moi je me dis, je vais là-dedans, je me dis, tiens, c'est marrant, y a pas de. Qu'est-ce que c'est que ce mur, il est pas palpable? Pas trop où ils sont les doudous là. Merde, ah ils sont casse-couilles avec leur. Ah putain. Ah c'est con, je tenais bien là. Je tenais bien le délire. Bon bref, vous avez vu hein. L'arme. Le modèle usine, on avait essayé ou pas? Non, je crois pas. On va essayer ça. Ça, vous verrez un peu. Et après, je débloquerai sûrement pour la troisième vidéo les snipers. Comme ça. What the hell? J'ai repéré une mitrailleuse.
Mais meurs, bordel. Oh merde, ils m'ont envoyé un truc. Les cons. Voilà, c'est lui que je voulais. Ah merde. Blablabla. Mais franchement, cette map est pas mal quoi. Cette map est pas mal. J'aime bien moi. Oh merde, ils sont là les copains. Allez avec eux. Allez avec les copains. Et les copains, c'est Wolfie. What? Putain, ils sont où ces cons là? Mettre une petite grenade de repoussage. Je te repousse, je te repousse. Ah merde, c'était quoi ça? Ah, dans mon dos. Oh là là, le fourbe. Oh la fourberie. La fourberie. Brerie, brerie. Ouais, enfin bref. On s'est compris. Oh merde, putain, Wolfie, ouvre tes yeux, bordel. Pas de médecin, hop. Vous voyez, les nouvelles armes font le job quand même, elles sont quand même assez sympas. Bon, les snipers, je peux pas vous dire. Parce que je les ai pas encore. Mais on se fera ça plus tard dans la semaine, t'inquiète. Allez. Un mec là qui est juste là. Si hein, ils sont juste là. Hein. Ah bah attends. Ah bah ça, magnifique. C'est qui ils sont? Ouais, je l'ai marqué mais je sais pas où il est. Merde, merde. Ah punaise. Punaise, punaise. C'est vraiment pas rigolo hein, tiens hein. Alors on va essayer de se refaire un petit kill avec cette arme. Et on va enchaîner sur la chocho. Je regarde derrière. Je regarde derrière. Parce que moi je me prends toujours des piquettes dans les fesses. Une trousse de secours pour toi. Nous avons pris l'objectif célèbre. Oh merde. Oh là là, mais non, mais ça, vous avez vu le truc. Le mec il sort sa tête du mur, il dit tiens, il y a un Wolfie, je vais le dégommer, hop, en toute aisance. Sans stress. Oh là 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 les gars, oh. Une mitrailleuse hostile. Présence d'une mitrailleuse. Voilà. Nous avons armé l'objectif Anatole. Bon là ils m'ont capté hein, c'est sûr. Moi t'as teuté toi. Par contre au niveau comment dire, au niveau portée, enfin portée, je sais pas, faut que je teste un peu plus. Nous avons détruit l'objectif Anatole. Là ça va arriver. Il m'a fait peur lui. Il m'a fait peur le doudou. Mais vas-y. Oh. Putain. Non, je ne rage pas. J'explique.
Je m'énerve pas, j'explique. Là on est sur le point B hein, faut pas faire gaffe. Essayez d'ouvrir ça. Voir si l'autre pont il est toujours là. Et il est toujours là. Et voilà. Ça c'est de la revanche où je m'y connais pas. Allez, ils ont allumé ça, c'est bon. Toi, tu vas mourir. Eh, c'était quand même pas mal ça, t'as vu? Hop. Boum. On va rester là, on est pas mal. Donc là il va péter normalement si tout va bien. Voilà, c'est une victoire les doudous. On va s'en enchaîner une petite pour vous montrer bah, une autre map déjà j'espère. Ce serait pas mal. Donc là on avait vu sur la première vidéo Soissons, qui était assez sympa, avec des grandes prairies, des petites habitations, machin, c'était pas mal. Version village quoi. Là on était plus version tranchée hein, sur cette map du Fort de Vaux. Et j'aimerais bien tomber sur Rupture pour vous montrer, parce qu'elle est vraiment excellente aussi celle-là. Rupture c'est vraiment de la map qui va bien quoi. Bah toutes hein, les 4 sont sympas hein, mais... Les 4 sont sympas, mais... Mais il y en a des... Voilà, que je préfère, quoi. C'est évident. Alors, Wolfie51, contributeur d'escouade. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, les petits rubans, bon, ça, je prête pas trop attention. On a obtenu un round class, ça, c'est pas mal. Et au niveau du score, on a fait quoi? Ouais, du 20-27. Ouais, voilà, de toute façon, je suis toujours dans ces eaux-là, moi. Je suis toujours, vous voyez... entre 20... Ouais, entre... Bon, là, j'ai pas fait grand-chose, parce que, bon, là, les armes, je les connais pas bien. En principe, je suis entre 20 et 30, quoi, pas plus. C'est rare que je fasse plus de 30 kills dans une partie. À part en opération où c'est vachement long, où là je peux taper des fois des 45 kills, mais c'est rare. Bon, on va retomber sur Soissons. Mais c'est pas grave. T'as vu, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer la chouchou. La chouchou. On va se mettre en 1-5. Viseur qui va bien. Donc là vous voyez on est sur de la bonne grosse batteuse. La chocha. La chocha. La chicha. Non la chocha. La chochana. Ah c'est moi le chef. D'accord. Ah ouais, ce que j'avais demandé tout à l'heure machin. Excusez moi j'avais pas vu sur sur la précédente. Ouais, par contre le viseur je me suis enflammé là, c'est pas terrible. Bon on est en bipied hein. J'entends. Vous avez vu, j'ai juste eu le temps de me retourner. Ah fuck. Attendez je vais rechanger le viseur parce que j'aime pas trop le machin anti-aérien là, c'est pas terrible. Je me suis fourvoyé. On va se remettre à la mire. Je préfère. I prefer. Bah meurt. Il est pas mort, hein. Si il est mort. Il va arriver dans la zone, mais non. C'est qu'il est. C'est que t'es calé. Ah oui, voilà. Je savais bien qu'il était dans la zombie. Ah, j'ai plus de grue. Attends. Merde. Ah, j'ai pas fait gaffe aux mines. Ah, ok. Bah, je la voyais plus puissante que ça, moi, cette arme-là. La Shoshana, là.
La chouchonne, je les voyais plus puissantes que ça, dis donc. Bah c'est pas grave, hein. T'as vu? On va motiver les troupes. À siffler un coup. Allez, on est parti. Ah putain, un chat. Ça sert à rien ce que j'ai fait là. Ah là là, ouais, alors le Wolfie va carrément devant les deux chars, machin. Je suis un ouf. Par contre c'est dommage qu'on retourne sur Soissons là, je vous avais déjà montré, je voulais vous montrer. Bon la prochaine fois j'essaierai de choisir une map avant. Oh là 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 là. En même temps je fais du coup par coup, est-ce que c'est bien intelligent? Est-ce que je peux pas Attendez. Tirer en rafale plutôt. Parce que moi j'ai plutôt l'habitude de tirer en coup par coup. J'utilise beaucoup le médecin ou des choses comme ça. Donc c'est souvent des armes coup par coup. Oui 6, ça passe. Capturer l'objectif célestin. Ils prendront pas cet objectif. Défendez-le. Mettez un petit ordre. Allez les doudous. Faut y aller. Oh putain, bien joué. J'étais en train de me dire, je crois que c'est un sniper là-haut, machin. Et t'as vu? J'ai juste eu le temps de me lire. Aïe aïe aïe. Oh putain, c'est pas vrai, ils sont partout. Y'a trop long sur ces munitions. Ah ça va arriver là. C'est obligé. Ah putain, mais j'en ai marre d'avoir toujours raison. Allez. Je vous montre une paire de kills quand même plus beau que ça là, parce que. Sinon c'est pas rigolo quoi. Des munitions pour toi. Je leur donne des munitions, tu sais, comme ça je me dis comme ça, tu sais, ça fait pas genre je sers à rien quoi. Oh là 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 là, mais non, mais non, mais n'importe quoi moi. Putain, médecin, mais ouais, non. Ça va faire longtemps à attendre là. Bon, d'habitude j'attends les médecins et tout, hein, c'est parce que là je veux pas vous gonfler. Attendre. T'as vu, je pense à vous quand même. Oh! Une fenêtre pistolet. Enfin, fusil. Oh, mais merde! Pourquoi je tire au coup par coup? Je suis nul, moi. Bon. Reprenons-nous. Artunk. Ah non, on a dit qu'on était français. Attention. Putain, je vais faire les mêmes vannes à chaque fois dans chaque vidéo, t'as vu? Oui, parce que celle-là, je suis sûr que j'ai déjà fait dans le. Putain, mais c'est pas vrai! Putain, les gars, tuez un peu les autres là! Pourquoi moi toujours? Bon, de toute façon, là, je suis encerclé, donc le médecin, il va pas venir. L'impression qu'ils sont tous sur moi, tu sais. Alors que pas du tout, hein. Mais, tu sais, il doit se dire on est un Wolfie, on va le défoncer. Non mais t'as vu ça, c'est pas légal sérieux. On a pas le droit de faire ça aussi. En même temps c'est parce que j'ai, comme un con j'atterris sur mes alliés, donc forcément je peux pas savoir si. Mais là ça fait un peu loin là ici si j'atterris là. Non. Ouais ouais. Je serais un peu plus safe parce que là forcément à force d'apparaître sur les mecs de mon escouade. Si ils ont 10 ennemis autour d'eux, je suis comme un con. Observons la scène de crime. Que dalle. Lui il a vu du bruit. J'en ai un là.
là. Ça va mieux en rafale quand même. Putain, faut recharger pas mal quand même avec cette arme. Je suis toujours dans le machin là, ouais. J'ai envie de faire ça. J'ai marqué un mec. Ah, je l'ai touché avant, t'as vu? Ah, ils ont l'air d'être là-haut, hein. T'as vu, ils ont l'air d'être. Pilote de char ennemi par là. Y'a un mec là-dedans. Il est en train de me chercher là, en train de se dire merde, y'a un mec qui me tire dessus, il est où? Voilà, ça c'est fait. Plein de mille, les mille! Ah, ils l'ont repris, hein. Voilà, ça y est, je me réveille, les doudous. Ça va être la fin de les vidéos, je me réveille. Oh merde! Attends. Et que fait la police? Voilà. Eh merde, ça pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer ainsi. Puis bon, on va se laisser là-dessus les doudous, parce que ouais, ça fait 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Attendez, je lâche un petit rototo, je vous préviens. Voilà, je suis un gros dégueulasse, je le sais, mais j'assume. Ah, fierce. C'est une langue qu'on ne connaît pas, mais ça veut dire, zut, je me suis fait avoir, je l'ai pas vu venir. C'est ça, ça veut dire. Allez. Ouais, maintenant j'atterris dans le spawn, enfin dans le QG, parce que j'ai toujours peur d'atterrir sur un mec à moi et de me faire en papa outé. C'est quoi, c'est un char ça, c'est quoi? Ouais, ça a l'air. Oh la vache, il rigole pas lui. Ah fuck! Bah, casse-toi, Wolfie! Faut me soigner! Ça va arriver, le vélo, c'est obligé. Tiens. Ah putain, au moment. T'as vu? Je dis ça va. Ça, c'est moi, c'est mon bol, ça. Je dis ça va arriver là, c'est obligé. Je suis viseur fixe, machin. J'attends. Au moment où je bouge, boum, il arrive. Ça, c'est du grand Wolfie. T'as vu? Enfin, je suppose que vous aussi, hein, vous allez me dire, ouais, bah nous aussi, Wolfie, ça nous arrive aussi. Oh non, 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 lui il va exploser en plein vol. Ça va me saouler. What? Ah, punerche! Bon, vous voyez, ouais, donc la chocho, hein, bonne petite arme quand même. Bon, y'a pas beaucoup de balles, hein, c'est ça qui est chiant, on est vite pris de court. Attention, médecin. On est vite pris de court, mais bon, ça va. Ça fait le job quand même. Oh, elle était belle celle-là, mon pote. Bon, il lui restait plus beaucoup de vie, mais elle était belle. J'ai vu un mec passer là, non? Ah oh, putain! Wow, 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 wow! Faut que quelqu'un me soigne!
qu'est-ce qu'il fait là-haut, Charlie Galt? Ah ouais. T'as vu, il courait dans la prairie. Tin. Il se faisait un délire dans la prairie, tout seul. Bah, il a le droit. Hein. Mais il est pas mort. What the fuck? T'as vu? T'as vu les balles qu'il lui fallait à lui? Ouais, merde. Nous avons pris l'objectif célestin. Ah, oh, merci, mon cadet. Oh, j'ai plus que 3 balles. On va pas le faire. 3 balles, c'est quand même pas beaucoup. Regarde, il y a toujours Charlingas là-haut. Ah putain, mais c'est pas vrai. Bon, de toute façon, les doudous, on va se laisser là. Ça, je vous aurais montré un peu toutes les armes. On va se refaire un petit rack à pépette de tout ça. Puis voilà. Puis dans la troisième vidéo, on essaiera de. Enfin, j'essaierai de vous montrer les différents, les deux snipers. Tiens, des munitions. Merci beaucoup, vieux. Puis comme ça, on aura fait le tour des nouvelles armes de ce DLC. Et ça sera bien. Attends. Ça, je sais jamais si c'est à nous ou pas, ça. Comme ça, j'ai la fumée, on peut pas savoir si c'est à nous. Oh, y a un truc qui me tire dans le cul, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mon dieu, mon dieu. Bon, on va quitter. J'aime pas faire ça, mais on va quitter la partie. Puis on va aller se faire un petit rack à pépette. Est-ce momolo? Je vais vous remontrer les armes d'éclaireur. Puis les défis qu'il y a à faire dessus. Comme ça, ça fera une petite. Petite conclusion sympa. Voilà, donc pour ce qui est du déblocage des deux snipers, donc le bel modèle 1886 tireur d'élite. Donc il faut faire 5 tirs en pleine tête au 1895 russe tireur d'élite en une manche. Bon, ça va, en principe j'arrive à les faire. 10 assistants reco périscope, ça j'ai jamais utilisé ça, je vous avouerai le périscope, donc je verrai bien, j'essaierai. Enfin, ça a pas l'air bien compliqué, 10 assistants, oui, il suffit de prendre le périscope, de marquer des mecs, je suppose. Après, je sais pas s'il faut qu'il se fasse buter ou quoi. Et donc, le même en modèle infanterie. 50 éliminations au Gewehr M95 infanterie. Ça, pareil, je l'ai pas utilisé plus que ça. 20 assistants fusée de détection. Bon, ça se fait tout seul. Ah, donc on essaiera de se faire ça dans la troisième vidéo. Et puis voilà. Donc là, c'était pour vous montrer un peu la chocho. Moi, je vais m'atteler à essayer de choper la version lunette. Et puis donc, depuis la première vidéo, hein, j'avais réussi à choper les deux armes du médecin que je vous ai montré ici. Donc ça va, j'ai respecté le contrat, c'est magnifique. Voilà, allez les doudous, je vous laisse. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. Et puis les petits commentaires, hein, continuez, ça fait plaisir. Hein, quand je vois des gens qui me disent, ouais, c'est bien ce que tu fais, continue. Donc c'est bien, c'est très bien. Et si vous n'êtes pas joueuse aussi, hein, vous pouvez le dire. Hein. Vous pouvez dire, ouais, j'aime pas ce que tu fais, c'est nul, ça sert à rien, machin. Ça... Je prends aussi, carrément, je prends parce que c'est toujours intéressant. Alors par contre, si vous mettez des messages critiques comme ça, négatifs, expliquez-moi pourquoi. Hein, parce que c'est je vous ai déjà dit, hein, c'est toujours facile de dire, ah, j'aime pas ce que tu fais, mais pourquoi? Parce que moi, c'est le but du jeu, c'est que ça m'enrichisse. Hein, de savoir, vous me dites, bah écoute, moi, j'aime pas ce que tu fais parce que ceci, cela, parce que nanana. Hein. Évidemment, sinon aucun intérêt les doudous, vous aurez compris. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien et à la prochaine.